Nous allons voir dans cet atelier comment créer un effet double exposition, double lumière. Alors là, il est fait rapidement. On pourrait le faire pour que ça soit un peu plus long au niveau du rendu, mais déjà, on va créer ça étape par étape. Vous allez voir, c'est très rapide. Et après, une fois que c'est mis en place, vous pourrez remplacer votre photo par une autre pour utiliser le même effet. Pour que ça marche bien, il faut, c'est forcément une photo en studio, hein, pas en extérieur, parce qu'il n'y a pas ces deux types d'éclairage, et qu'il y ait un fort contraste qui soit fait, c'est bien que ça soit sur un fond uni, avec un fort éclairage sur le visage ou sur l'objet pour créer vraiment ce double effet d'éclairage. On va faire ça étape par étape, je vous invite à télécharger les images chaudes, je vous ai mis deux images et après vous pourrez utiliser vos images, comme ça vous allez pouvoir faire des essais. Pour réaliser ça, vous allez voir, c'est très très simple, étape par étape, télécharger et on se retrouve sur Photoshop.